Salut à tous, donc c'était le petit test de la Behringer Ultra Flanger. Donc une pédale toujours fabriquée de façon un peu cheap, tout en plastique, de chez Behringer. Donc une copie plus ou moins de la BF3 ou de la BF2 de chez Boss. On notera seulement qu'on n'a qu'une sortie, donc elle n'est pas stéréo, fonctionne qu'en mono. Voilà, donc on a deux modes sur la pédale, on a le mode 1. Qui est normal, on va dire, le mode 2 qui rajoute un peu un côté détune comme sur certains chorus pour donner une légère fausseté aux notes. Voilà, donc sur la pédale, on va trouver un réglage manuel, def, rate et res, donc résolution. Donc voilà, avec les trois premiers, on pourra régler le flanger de façon tout à fait normale. Et le res va apporter des sons un petit peu aigus qui vont résonner derrière, donc on pourra couper complètement ou accentuer pour avoir des effets. Totalement loufoque, donc on retrouve souvent sur les pédales de phaser. Donc voilà, donc à part la construction qui est pas terrible, enfin c'est une pédale qui doit coûter neuve à peu près 50 euros ou un peu moins, elle se fabrique plus je crois celle-là. Donc vous pourrez trouver sur le marché de l'occasion dans les 10 ou 15 euros à mon avis. Voilà, donc si vous n'avez pas une grande utilité d'un flanger de grande qualité ou de qualité studio, celle-ci pourra toujours vous dépanner ou commencer à avoir des petits effets sympas. Donc voilà, c'était le test dans comment ça sonne de la Behringer UF100 Ultra Flanger. Je vous dis à bientôt, ciao!